Salut. Regardez l'ambiance que ça fait. Il est 7h30. Il a déjà mangé, hein, sinon il ne serait pas dans cet état, il serait tout fou. Mais là, monsieur est repu. Oh. Vous ne me voyez pas. Et c'est pas plus mal. J'adore commencer la journée quand il fait encore nuit. Les cartons sont toujours là, évidemment. Petite box. Et là, gros, gros boulot. Je vous reprends de face, les cheveux en vrac. Et bah, il est midi. Hein. J'ai avancé, mais un truc, c'est quand même bien de se lever tôt et de s'y mettre. J'ai dû m'y mettre à quelle heure? 8h moins 10 après mon petit déj. J'étais à fond, à fond, à fond. Résultat, j'en suis à plus de la moitié. C'est déjà une bonne chose, j'ai pas complètement terminé. Et le but, c'est quand même d'envoyer tout à... faut que j'y aille pour 14h. Parce que le temps que je charge dans ma voiture, le temps qu'on les scanne un par un, je veux que ça parte pour la lever avant 16h. Ce serait pas mal, parce que l'idéal, ça serait que les premières box arrivent vendredi. Alors, nous en avons ici. Nous en avons ici. Bon, bon. Il y en a partout. J'en profite avant que j'oublie, mais je crois qu'elle m'a pas envoyé ma main. Le calendrier de l'Avent, attends. Ah si! Veux-tu que je vienne t'aider cet après-midi? Enfin, dans les box. C'est gentil. Non, non, non. Elle est venue hier, elle m'a aidé pour 2-3 petites bricoles. Franchement, elle m'a fait gagner du temps. Ah, voilà. Donc, aujourd'hui, elle a eu un... j'ai une petite photo. Un joli chouchou un peu gold. Doré plutôt, très mignon pour les fêtes notamment, ou alors mettre autour du poignet. Il faut que ça pousse. Elle parle de ses cheveux qu'elle a coupés. Alors attends, il le faut que tu sois opérationnel. Bonne nuit. Ah non, c'est parce que je lui disais hier, elle me demandait si ça allait. Je lui dis bah oui, il est 20h30, je suis encore dessus. Voilà, donc je descends manger, 12h36, et après il faudrait qu'à dans une heure, je commence à charger ma voiture. Et tant qu'à vous montrer des choses, le retour du rideau. Je me sens beaucoup plus chez moi. C'est plus intime. Voilà. Je sais pas si c'est bien que je vlogue comme ça. Si, il y a la lumière. Soupe, biscotte, j'avoue. En ce moment, c'est tout ce que je me fais le midi. J'aime bien. Je me force même pas, j'aime ça. Petite robe de chambre parce que là, le chauffage est en phase descendante. Ça va repartir d'ici une heure. En attendant, je me les pélosse. Merci par rapport à tous vos petits commentaires. Alors, par rapport à mise au point... Je ne l'ai pas fait pour me faire encenser, même si ça fait super plaisir de voir que vous m'encouragez. C'était juste comme ça pour... parfois, quand je fais ce genre de choses, je vois qu'après, ça se calme et ça revient à la normale. Donc, j'avais pas trop le choix que de refaire cette petite rappel, cette petite piqûre de rappel, comme on dit. J'ai fait une trentaine d'allers-retours avec toutes les boxes. Donc, la première fournée est là et je terminerai demain. En espérant que le... De toute façon, je file là. Que le banc résiste. Et la suite est là. Et forcément, à l'étage aussi. 1h30. 1h30 à la poste. J'ai fait pas mal d'allers-retours et j'ai pas terminé. Je continuerai demain. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, rien à voir. Mais notre cabine de douche du premier étage... Il est en train de faire des essais, voir si notre micro il fonctionne et tout. Cabine de douche... fuit, il y a 2 trous et son fils arrive pour Noël dans 4 jours, 5 jours, c'est super. Ce qui veut dire que il faut qu'on désinstalle la cabine de douche, qu'on parte acheter une nouvelle cabine de douche, super. Bah, je pense qu'on va y aller, 4 heures. Nous y sommes. T'as repéré un truc? Plus ça prend moins de place, non? Parce qu'il y a celle-là. Ouais, non, mais celle-là, il y a trop de trucs, c'est un peu comme la nôtre. Ouais. C'est des cabines à l'italienne. C'est vraiment joli. Hein. Besoin d'un conseiller? Votre demande a bien été prise en compte. Ah, voilà. Veuillez patienter quelques instants. Un vendeur va intervenir. Non, elle est belle, hein? Bah oui. Et en la mettant de travers, en espérant que vous arriviez à cette place pour juste les deux flexibles d'arrivée d'eau. Elle fait peur, hein? Bon, on vous montrera le modèle, parce que Eric n'est pas plombier. Hein. Ouais. Je dis, tu n'es pas plombier, donc ça t'inquiète un peu. Ah, il est pas très bricoleur. Non, non, ouais, t'aimes pas ça. Mais non, il est bien le modèle. On n'a pas le choix, on a gardé le même incurvé qu'on avait. Et là, en fait, regardez, il a acheté ça. Il m'a dit que c'était tout nouveau. Mais toi, tu connais ça en Angleterre, ça? Oui. Cadbury, c'est les twirl. Et tu me dis qu'en Angleterre, qu'est-ce qu'ils font? Ils les vendent sous forme de bâton. C'est pas sous forme de cube. Et ils mettent ça sur quoi? Dans les glaces, ça t'achète une glace. Mettre ça dessus. Ah ouais? Quelle heure est-il? 19h55. J'ai tout éteint. Je me suis encore bien bien avancée. Il y a tout plein de cartons ici de toutes les fournitures. Et on va manger. Eric a fait à manger. Ça sent très bon.
Oh, attention. Oh, t'as fait de la saucisse. Et moi, tu m'as mis quoi? Pavé gourmand, la courgette et au fromage. Bravo, très bien, mais un m'aurait suffi. Hein. Bonjour à tous. La journée commence, 7h43, levé. Terminée, toutes les petites boxes. Retour au boulot. Je vous avoue, je suis un peu dégoûtée, c'est pas comme si hier j'avais été dans un magasin de bricolage. Je vais arriver à court de gros scotch, alors j'en avais acheté deux parce que j'en avais quatre. Il y a déjà plus. Il est 9h28, regardez. Le jour s'est levé, mais surtout lui s'est installé. Alors, je dois arrêter parce que j'attends les tout derniers bijoux qui doivent arriver ce matin. Voilà. Mais oui, mon Jackie. Midi et demi. On se retrouve. Je ne vous avais pas encore pris de face parce que j'ai carrément enchaîné. Je me suis dit, allez, tu perds pas de temps. Par contre, j'ai toujours pas reçu les bracelets. Je pense que la coiffeuse, la factrice, ça ne va pas tarder. Je croyais que c'était... parce qu'il y a deux passages. Tu as la factrice vélo qui passe vers 13h30 et tu as Colissimo factrice voiture qui passe souvent vers 8h30, 9h. Donc, je pense que ça va être vélo puisque... bon. On verra bien, de toute façon, sans ça, je ne peux pas tout finaliser. Je vais aller manger, parce que je vous ai dit, il est bien midi et demi. Je vous fais un petit sachet, là, micro-ondable. Eric repart, il doit reprendre les cours à 13h05, un truc comme ça. Il faut que je vous montre quelque chose que j'ai reçu, quelque chose de magnifique. Il s'agit du, on va dire, de l'agenda 2022 d'une marque. Oh, à la base, je vais être honnête avec vous, je voulais l'intégrer dans ma box, mais il fait 700 grammes, donc hyper lourd. C'est même au-dessus du poids de ma box. Elle m'a dit, je vous l'envoie quand même pour vous. Donc j'ai dit, je vais le montrer, je vais le montrer, c'est obligé. Et si vous vous demandez au niveau de la cabine de douche, il va la mettre, il va la faire, je pense, samedi, dimanche. Nous on n'a pas besoin tout de suite, c'est vraiment la douche du milieu, nous on a la nôtre dans la chambre, mais c'est pour, je vous dis, son fils qui arrive lundi, je crois, à l'aéroport. Il va le chercher à l'aéroport lundi. On a pris, comme je vous ai dit, c'est un peu la même, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu incurvée d'angle, parce qu'on n'avait pas trop le choix, voilà, c'est dommage parce qu'il y en avait qui étaient super jolies. La douche à l'italienne que vous avez vue, c'est pas fait, enfin, on peut pas, dans cette pièce-là, on peut pas, d'après Eric, voilà. Mais c'est un peu la même que celle qu'on avait, seulement là, elle est noire et tout. Elle a l'air quand même stylée, elle a l'air pas mal du tout. Elle a pas coûté si cher que ça pour une cabine de douche. Je trouve 240. De toute façon, il nous en fallait une, hein. Dans les 240. Je crois que j'ai un peu forcé sur le blush, non? Non, remarque, ça fait joli parce que juste après, là, je finis de manger, j'attends la factrice, je finis les petites boxes et je tourne une vidéo. Entre temps, évidemment, je vais faire les petits envois, mais il faut que je tourne une vidéo. Et vu que la luminosité descend très vite, dès 3h30, 4h, tu sens que ça diminue. Et je sais pas, j'ai pas trop envie de mettre les projos. Mais bon, on verra. Si je dois mettre les projos, je mettrai les projos, c'est tout. Je sais ce que je vais faire en fait. Parce que je ne vais pas pouvoir tourner la vidéo tout de suite. Il y a des priorités, mais c'est pas grave. Vu que c'est une vidéo un petit peu ambiance Noël, je la ferai quand il fera peut-être un peu plus sombre. Je mettrai la petite guirlande blanche, je ferai un petit décor sympa, quitte à mettre les projos. Et comme ça, c'est bon. Voilà, moi, je suis contente. Toujours pas là, la factrice. Là, ça commence à me faire flipper, là, un petit peu quand même. Alors, déjà un joli petit mot. C'est présenté dans une grande pochette, regardez par rapport à ma main, qui fait effet lin, donc c'est cette marque, AUM. On a la petite étiquette et je vous montre. La carte est marquée. Rappel, je suis la personne la plus importante de ma vie. Ok? Ça commence bien. Le marque-page, très chic, AUM. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Très sobre. Agenda 2022 et la marque. Très très gros comme je vous ai dit. Le petit bandeau en soie. Sacré boulot quand même. Hein. Il y a la petite préface. Sur le côté, il y a tous les mois. On a une vue d'ensemble sur le mois de janvier. Ça c'est très pratique en tout cas pour moi. Important ce mois. Et après on a le déroulé de chaque journée pour avoir un peu plus de place. Hein, s'il y a des choses à marquer. Il est très beau, hein, très très bien fait. Ah, waouh, c'est la factrice ça. Magnifique. Merde, c'est le truc de la MGEN.
Oh là là, le colis n'est pas arrivé. Oh, super. Bon, bah voilà, ça y est, j'ai envoyé les avant-dernières box. Et puis, bah tant pis, hein, de toute façon, il fallait bien que j'envoie celle-là. Et puis demain, mais bon, c'est les toutes dernières, ce sera demain. Je retourne à la maison pour tourner ma vidéo. Je vais me changer. Je vais me faire une petite tête et un look. Je crois que je me serais quand même sentie plus légère si j'avais totalement tout envoyé. Mais bon. Si je me mets là, vous allez me voir, je me suis fait une petite tête. J'ai mis un rouge à lèvres plus foncé. J'ai refait un peu mon teint. Je me suis changée. Les petits yeux. Et puis j'ai attaché mes cheveux. Voilà, tout simplement. Bon, j'y vais. Tournage. Il est presque 5 heures. Donc j'ai intérêt de m'activer parce que, d'autant plus que ce vlog n'est pas encore monté. Je vous fais un gros bisou et je vous dis demain, je pense qu'il y a une nouvelle vidéo. Ah bah oui, il y a la vidéo que je suis en train de tourner. Je vous embrasse. Bisous. Ciao.